Ce jeudi 13 septembre, l'attention des investisseurs va se focaliser sur des indicateurs macroéconomiques américains. En effet, pas de chiffres d'importance au programme en Europe à 8h30 heure de New York, c'est-à-dire 14h30 à Paris. On va d'abord s'intéresser sur l'indice des prix à la production aux États-Unis, donc pour le mois d'août. Calculé en annuel glissant, l'indice est annoncé en légère hausse à 1,5%. Ensuite, comme toutes les semaines, on suivra les inscriptions hebdomadaires au chômage américain. Mais le rendez-vous de la journée, celui qui tient les investisseurs en haleine depuis plusieurs semaines, c'est évidemment les conclusions du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La décision concernant les taux d'intérêt tombera à 18h30, heure de Paris. Et si Ben Bernanke, le président de l'institution, annonce une troisième salve d'assouplissement quantitatif, ce sera lors de la conférence de presse programmée à 20h15, heure de Paris.